Bienvenue, mesdames et messieurs, vous suivez Tribune de Presse. C'est aussi la pédagogie. Nous enseignons, à un moment donné, on va dire, nous essayons de tordre le cou à la rumeur et donner place aux vrais spécialistes de l'information, sinon des politiciens. Ils sont auteurs de tout ce qui vont, de tout ce qui va devoir se passer. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'ils comprennent l'actualité. Et l'actualité, c'est aussi le déplacement de Fauci. Il est aux États-Unis. Vous avez suivi certainement les réseaux sociaux. On dit que c'est un voyage de trop. Il a passé beaucoup plus de temps à l'étranger qu'au Congo. Plus de 60 voyages depuis qu'il est parti. Qu'est-ce que l'on retient de ce voyage? On en parle tout à l'heure. La gratuité de l'enseignement. Certaines écoles disent non aux enfants et donc la grogne continue. Mais une information, on ne sait pas si elle est vraie. Le gouvernement de Ilunga Kamba se serait préparé, à annoncer à Fauci leur indisponibilité en ce qui concerne la gratuité. Est-ce que Fauci va reculer? Va-t-il continuer? Bon, c'est ce qu'on va voir. Je reçois pour la première fois, les deux font leur première sortie ici, bien évidemment dans Tribune de Presse et dans Congo Buzz. Il s'agit de Jean-Pierre Kayembe, qui est journaliste à la RTGA, l'un des présentateurs phares, des émissions aussi phares et des bulletins d'information. Jean-Pierre, comment allez-vous? Bonjour Christian, je me porte à merveille. Bonjour aux internautes qui vont regarder ce programme. Je suis très fier de votre travail et je le dis toujours. Vous faites très bien le travail. Vous passez une émission en débrief sur RTGA, qui est une émission qui cartonne. Je ne crois pas qu'on ait deux émissions à ces heures-là, et surtout dans le radio. Félicitations. Sentiment réciproque également. Merci Christian pour ce que tu fais. Je suis agréablement surpris en arrivant ici, en constatant les efforts que tu as fournis. Merci. Il y a peu. On n'a pas imaginé que tu aurais cet important outil de travail. Il est parfois important d'être indépendant et d'imposer sa marque. Félicitations et courage. Merci beaucoup, Jean-Pierre, venant de vous, ça me fait vraiment plaisir. Alors, il y a aussi Manix Iyenda Boufaya, vous êtes communicateur de Cash, très proche du président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est facile d'être communicateur d'un président, surtout d'un mouvement qui subit les affres de l'illégitimité, entre guillemets, on vous accuse des collabos? Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Du coup, j'utiliserai mon encre correcteur pour dire que je ne suis pas le communicateur du président de la République. Oui, je dis Cash. Enfin, je suis communicateur d'un regroupement politique qu'on appelle le Cash, comme vous l'avez bien dit. Et en tant que communicateur, dépendant justement d'une vision que nous sommes en train de proposer à la République, on ne peut que le défendre et le justifier devant notre peuple, auprès de qui nous sommes liés justement à la fibre de rédévabilité, expliquer au peuple comment est-ce que nous gérons. Je crois que ça, c'est notre devoir sacré. Merci Yenda Boufaya. Mesdames et messieurs, non au tribalisme, je ne suis pas taliban, je ne suis pas panguistan ou panguistanais, je suis congolais. Je crois que c'est l'élan qu'on doit finalement avancer, faire avancer les choses. Non au tribalisme, non au tribalisme. Ce qui est très important, c'est l'unité du pays. Nous commençons avec Jean-Pierre Kayembe. Jean-Pierre, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le président a fait un peu trop de voyages? Il est aux États-Unis. Il y a un tweet, tous les présidents sont rentrés chez eux, c'est ce que j'ai entendu, et il est le seul président à être encore à l'étranger. Est-ce que ça vous gêne un peu? Bien, il faut dire que le chef de l'État a quitté Kinshasa le 16 septembre, donc ça va faire quasiment deux semaines et maintenant deux ou trois jours qu'il n'est pas au pays. Inconcevable. On ne peut pas passer plus de deux semaines à l'étranger, sauf pour cas de maladie. J'ai eu le temps de me documenter là-dessus. Et là, en passant, je donne raison à l'auteur de ces tweets, M. Jean-Jacques Mamba, député du MLC. Sauf si ces voyages sont justifiés. Mais au stade actuel, parce que un voyage présidentiel, vous savez, Christian, coûte énormément à la République. À chaque escale, on paye. Le président ne va pas loger dans des hôtels 2 ou 3 étoiles, c'est généralement 4 ou 5. Vous connaissez par exemple à New York le boom immobilier qu'il y a et combien des chambres des suites présidentielles coûtent. Mais il faut voir dans la suite du chef de l'État, les délégations qui l'accompagnent ainsi de suite. Si c'est justifié, parce que je ne peux pas comprendre
que notre président n'a jamais passé 3 semaines d'affilée ici au pays. Et même quand vous prenez la dernière tournée euro-américaine, c'est retombé. On ne rentre qu'avec des promesses. Aucun contrat n'a été signé. Quand vous voyez M. Donald Trump ou encore les autres présidents à travers le monde se déplacer, c'est-à-dire qu'il y a eu au préalable des équipes d'experts qui sont allés, qui les ont précédés, qui ont discuté, négocié des contrats et lui, il vient pour paraffer. Monsieur est allé faire des plaidoyers. Là, vous parlez du président. Je parle bien de notre président. Était-il si important d'aller, par exemple, à Bruxelles, sachant qu'à Bruxelles, à l'heure qu'il est, il n'y a pas de gouvernement responsable qui peut engager ce pays. Mais on parle des intentions. Enfin, il faut quitter l'étape d'intention. Il faut être concret. Parce que lui-même dit sur TV5 Monde que vous savez qu'à Bruxelles, il n'y a pas de gouvernement responsable. Ils sont dans la transition, il faut attendre un gouvernement. Mais pourquoi n'a-t-il pas attendu que ce gouvernement arrive pour qu'il se rende une bonne fois pour toutes à Bruxelles, négocier avec un gouvernement qui a qualité d'engager la République fédérale. Mais là, fédérale. Il a été reçu par le roi. Il faut quitter le protocolaire, Christian. Il faut quitter le protocolaire, il faut être concret. Il pouvait rencontrer le roi à n'importe quel moment si en allant à Bruxelles, l'on avait par exemple l'accord que l'on signerait, des accords par exemple en ce qui concerne la coopération militaire qui n'existait pas, si on pouvait relancer la coopération économique, si on pouvait faire un certain nombre de choses, réchauffer les relations diplomatiques. Mais on ne va pas simplement parce qu'on a envie de poser aux côtés du roi, c'est révolu. Et surtout que vous le faites au compte du trésor public avec une importante délégation qui vous accompagne, parfois des gens qui ne font rien. Je suis honnête ici, j'ai rencontré une partie de ceux qui étaient à Bruxelles, sont revenus, j'en ai rencontré qui n'ont rien foutu. Ils ne sont allés que pour essayer de contrecarrer certaines manifestations. Mais au moins vous je prends l'étape de New York. Oui, mais vous savez qu'il y a des avancées en termes de coopération. Il a parlé avec des investisseurs belges qui sont prêts à revenir. Ici aucun investisseur n'a accepté de revenir. Ils ont dit, messieurs, commencez par combattre la corruption. Et vous savez même, Alexandre De Croo, un ministre belge à la coopération, dit, il faudrait que monsieur Tshisekedi nous prouve chaque jour qu'il est bien président. Imaginez qu'un ministre dise ça d'un président de la République. Ça, c'est grave. Quand vous prenez l'étape de New York, le président s'est fait accompagner des applaudisseurs, messieurs. Des gens qui applaudissaient dans la salle, même quand il s'agissait de rien. Et donc, on a compris qu'ils ont tenté, qu'il a tenté avec son équipe de prendre la revanche sur Kabila, parce qu'on sait que le dernier discours de Kabila la salle était presque vide, mais tout dépendait aussi de l'heure à laquelle il parlait. Donc, ils ont tenté de faire ça, mais dans le mal. Mais quand on a fini à New York, tous les présidents, vous l'avez dit dans ses tweets, ils sont revenus. Lui, il s'est permis d'aller à Washington, il est allé à Atlanta. Pourquoi ? Aucun investisseur au niveau des USA n'a accepté de revenir ou de venir au Congo. Vous n'avez peut-être pas l'information. Bill Gates a prouvé à suffisance qu'il avait envie de revenir. Un instant. Christian Bossembe, connaissez-vous en Afrique dans combien de pays Microsoft est installé? Et là, vous changez les débats. Non, parce que Bill Gates est déjà ici au Congo en tant que philanthrope. Bill Gates a participé, je crois, à la campagne de riposte Ebola. Bill Gates participe à financer les drépanocytaires et ainsi de suite. Il est engagé dans le secteur sanitaire. Vous aurez le même mais temps en termes d'engagement pour les investissements, aucun. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Bill Gates est à la tête d'une entreprise. Il est certes président, mais il ne peut pas engager Microsoft si le conseil d'administration n'a pas levé l'option. Et maintenant, parce que je vais acquérir, on dit, messieurs, on ne peut pas venir dans un pays où il y a des tumultes, on ne peut pas venir dans un pays où vous avez la rocambolesque affaire de 15 millions de dollars où l'on n'arrive pas à trouver des réponses. Et d'ailleurs, niveau de la Banque mondiale, on lui a dit, messieurs, la Banque mondiale est prête à activer la coopération avec vous à trois conditions.
Un, il faudrait qu'il y ait d'abord de la responsabilité étatique, il faudrait qu'il y ait de la transparence. La transparence, ici, c'est que les médias n'ont pas dit, c'est que la Banque mondiale a insisté sur l'affaire des 15 millions pour que vérité éclate. Cette même Banque mondiale qui a été témoin des affres, témoin de corruption, témoin de manigance de Kabila. C'est pour ça qu'elle est partie. Très bien, Félix paye pour ce que Kabila fait alors dans ce cas. Mais maintenant, Félix est rattrapé par une affaire toute récente. Très bien. Les 15 millions n'ont pas disparu sous Kabila, c'est sous Tshisekedi. Vous avez le même temps de parole. Qu'est-ce que vous pensez de la visite du président aux États-Unis? Est-ce que c'est une visite de trop ou vous pensez que ça rentre dans les cadres de réchauffer les relations diplomatiques? Merci beaucoup Christian Bossembe. Je suis tout à fait content d'être en face d'un journaliste qui en réalité devrait puiser ses informations dans le voie le plus officiel de la République. Mais seulement je me suis rendu compte que mon co-débatteur s'est immiscé dans le lot du commun des mortels qui ramasse justement les informations dans le panier des rumeurs du commun de mortels. Je suis tout à fait désolé. Vous pensez qu'il est dans les commérages, il est dans les rumeurs, pourtant il te donne des faits. Hein. Non mais quand déjà un journaliste qui n'arrive pas à se distinguer du commun des mortels, surtout là où il y a plus de débats de bas étage, le débat de caniveau, franchement, ça laisse à désirer. J'entends entendre le débat des bas étages en question. Je voudrais que l'on puisse aider notre population. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui injectent ce que j'appelle personnellement comme une forme de drogue populaire, raison pour laquelle nous avons justement le droit de désintoxiquer notre population de toute contre-vérité injectée par les cyniques, les gens qui sont pratiquement haineux vis-à-vis des actions positives du président de la République. Pourquoi quand on contredit tournée... Félix et haineux, pourquoi je ne comprends pas les liens que vous faites entre contredire le fait de Félix et haineux, je ne comprends pas pourquoi. Non, mais écoutez, on ne peut contredire que si la logique de la contradiction reste objective. Je vous laisse. On sait que le régime de Félix Tshisekedi est un régime qui traduit pratiquement le contraire de tout ce que nous avons vécu pendant plus d'une décennie. Les régimes passants, c'est pratiquement le noir. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi propose au peuple congolais les positifs du négatif, le blanc du noir, la vérité du mensonge, et le peuple congolais a déjà compris. Et la tournée de Félix Tshisekedi, ce qui est beaucoup plus important d'ailleurs, au lieu de rester stagné sur le débat que je considère personnellement, permettez-moi le terme, le débat de caniveau, les présidents de la République est allé justement en Belgique et aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique pour redorer d'abord le blason terni. C'est vrai, il faut voir sa tournée sous une parallaxe binoculaire. Il y a un aspect diplomatique, mais aussi un aspect tout à fait politique. Du point de vue diplomatique, il faudrait redorer les blasons ternis, comme je l'ai dit tantôt, retaper notre relation avec la Belgique, surtout que la Belgique, en termes beaucoup plus historiques, est un allié de taille de la République démocratique du Congo et surtout dans... Un colonisateur, vous voulez dire? Non, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler en termes de colonisation parce que la Belgique, en tant qu'un État indépendant, autant que la RDC, ont des souverainetés tout à fait égalitaire. La souveraineté belge n'est pas supérieure ou inférieure à la souveraineté... La vôtre est beaucoup plus proclamée alors que chez elle, c'est la assumée. La question de la souveraineté, Christian Bossembe, ça ne se déclare pas, ça ne se proclame pas non plus, ça se constate. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est en train justement de brandir d'abord le tarif des valeurs de nos potentialités justement dans le concert des nations pour faire voir à ce genre-là combien mérite la République démocratique du Congo en termes de respect de sa souveraineté. Et nos relations diplomatiques dans un cadre beaucoup plus... dans le cadre des relations internationales avec la Belgique étaient axées dans ce cadre plus précis de visite du président Fatshi sur les questions du développement. C'est vrai que la RDC, après cette situation de piètre aux conditions que le président Fatshi, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays, il faudrait renouer nos relations du point de vue du développement, pour offrir justement à notre peuple ce que le peuple attend sous la formule de « Que demande le peuple ?». Il y a eu les questions des sécurités qui ont été justement mises à la table de cette négociation, mais seulement, ce n'était que de préalable en termes de pré-accord. Et le président de la République l'a fait avec le roi belge, comme vous l'avez dit, et l'accord sera cristallisé dès lors que le gouvernement belge sera installé de manière définitive. Mais ça va faire quand même, ça va faire... 2 semaines que le président n'est pas rentré. Non mais alors que les autres présidents sont rentrés. Christian, il faudrait pas créer de principes et des théories qui n'ont jamais existé, ni en sciences politiques, ni encore dans la politique plus pratique, ou si le chef de l'État fait autant de jours
à l'extérieur et que ça devient un principe des marbres que nous voulons incruster dans le mental des Congolais. C'est ce que j'appelle de la drogue populaire. Nous devons désintoxiquer notre population en leur disant la vérité. Et la vérité, c'est quoi la vérité? Le peuple congolais a connu autant de problèmes. D'ailleurs, on dit la comparaison n'est pas raison. Pour de grands mots, il faut de grands remèdes. Vu la précarité, vu la situation de piètre condition dans laquelle nous étions sombrés, et donc nous avons tout intérêt. Nous avons tout intérêt justement de redorer l'image de la RDC avec les États partenaires. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire avec la Belgique. Il le fait avec les États-Unis d'Amérique. Il continue à le faire avec d'autres États, même sur le plan sous-régional et régional. Par exemple, sur cette question par exemple, de la sécurité qui a infesté notre pays pendant plusieurs décennies, dont le régime sortant était incapable d'arrêter l'hémorragie. Il n'y a eu plus de morts et le Congo est aujourd'hui considéré comme la capitale de viol fait à la femme. Et il faut que le président de la République, dans le cadre d'arrêter cette hémorragie, négocie, bien évidemment dans un cadre diplomatique, avec les États frontaliers, le Rwanda, le Burundi, Tanzanie, etc., pour voir comment est-ce que nous pouvons échanger mutuellement notre coopération afin que la paix soit installée. Vous avez terminé vos minutes. Alors je donne la parole à Jean-Pierre Kayembe. Jean-Pierre, Kabila a fait 9 mois, plus de 9 mois, plus de 8 mois on va dire, disparu, on ne le voyait pas. Et quand on l'a vu, il avait les barbes, la barbe blanche. Alors dites-nous, pourquoi ça vous gêne que seulement 2 semaines, Félix Tshisekedi est à l'étranger, vous connaissez comment il va, il parle pratiquement tous les jours, il y a des vidéos qui circulent, au moins vous savez où il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais alors qu'à l'époque, vous étiez journaliste, vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais indigné de l'absence de Kabila pendant plus de plusieurs mois d'ailleurs. Je crois que Manix, je pensais qu'il allait me contredire. Malheureusement, il s'est enfoncé davantage. Il faut éviter que des iconoclastes enfoncent le président comme certains turiféraires l'ont fait pour Kabila. Faut arrêter d'être chantre, messieurs. Faut regarder la réalité en face. Vous avez affaire à un des journalistes, sans fausse modestie, le mieux informé. Ce que je vous dis, ce n'est pas des informations de la rue. Nous discutons avec des politiques, des membres de la délégation, avec des responsables diplomatiques. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui ramasse quelque chose sur Facebook qui ne contre-vérifie pas. C'est ce que vous donnez l'impression, malheureusement. Non, je vous dis que toute information que j'ai, je la contre-vérifie. Parce que je suis jaloux de l'image que je donne dans l'opinion. Je ne viens pas ici à la télé raconter des conneries ou des choses que je n'ai pas vérifiées. Kabila a disparu pendant 9 mois, il n'est pas revenu, il ne faisait pas d'apparition publique. On n'avait jamais demandé des comptes. À l'époque, si vous aviez tribune de presse, sûrement que je serais intervenu pour demander des comptes. Ah, vous le dites, il n'y avait pas d'espace. Mais vous n'avez pas cette émission. Oui, mais il y avait d'autres. Et mais ça dépend si ailleurs la question était évoquée. D'accord. Parce que le voyage du président, moi j'en parle ici parce que je suis à la télé. Je n'ai pas le temps à y consacrer mon mur Facebook. Je parle d'autre chose. Mais parce que vous en parlez, Kabila n'était pas à l'étranger, il était ici au pays. Mais on ne sait pas. Attendez, monsieur. Le problème ici, ce n'est pas parce que le président se déplace. Le problème, c'est le trésor public. Hein? Le trésor public qui est saigné. À blanc, d'ailleurs. Parce qu'on vous dit qu'un seul voyage présidentiel peut coûter jusqu'à 400 000. Mais quand vous allez à New York, le président à New York ou à Washington, il est à la visite touristique, monsieur. Regardons-nous en face. Quand il rencontre Bill Gates, c'est toujours une visite touristique. Quand il rencontre Boom City, attendez, touristique. J'ai envie qu'il dise Boeing, touristique. Il a rencontré Bill Gates. Bill Gates a dit, messieurs, je viens au mois de mars, au mois d'avril, au Congo, négocier un contrat avec vous. Quelle promesse lui a été donnée? Aucune. Je vous donne l'information. Ce n'est que des intentions. Non, Bill Gates a promis de venir ouvrir un grand laboratoire ici. Allez, et financer l'enseignement. Arrêtez de dire des choses. Mais c'est ce que Bill Gates a dit alors. Quand il va visiter à Atlanta la tombe de l'ambassadeur, du père de l'ambassadeur. Non, pas du père de l'ambassadeur, la tombe de le pasteur noir américain. Martin Luther King. Il va à Washington visiter une bibliothèque. Il s'est prendre photo, il s'adresse ses femmes. Mais nous, on attend mieux de vous. Vous attendez quoi de lui? Nous attendons, parce que vous savez, Christian Bossebé, que la communauté internationale n'a jamais aidé un seul pays à se développer. On est d'accord avec vous. N'attendez rien des Américains, parce que eux, c'est leurs intérêts. N'attendez rien des Belges, parce qu'aujourd'hui, ils essayent de lui dérouler le tapis rouge. Mais ce sont les mêmes Belges qui ont tiré à boulet rouge.
sur lui au lendemain de sa proclamation. Ce sont les mêmes Belges. Donc, j'ai l'impression que le président est dans une démarche de légitimisation. Il a envie de se faire légitimer, de se faire accepter. Mais moi, je lui dis, monsieur le président, c'est ici au pays. Pourtant élu. Vous avez fait. Vous avez fait. Non, mais je crois qu'il a. Peut-être parce que, comme il a dit que les propos de Fayulu lui faisaient mal, je pense que c'est resté ancré en lui. Qu'il s'est dit qu'il est toujours contesté dans une partie du monde et qu'il a envie d'aller se faire confirmer que c'est lui le président. Très bien. Quand vous dites qu'il est allé rencontrer le roi, non. Kabila ne se déplaçait pas, vaille que vaille. Parce qu'on ne l'invitait pas non plus. Hein. Parce qu'on ne l'invitait pas, je ne connais pas le milieu diplomatique, comment ça marchait, mais quand il y allait, c'était pour quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, la présidence a largement dépassé son budget annuel. Et il y a même de nouveaux déficits. Le budget de Kabila avait commencé à consommer. Enregistré. De nouveau, de Kabila est parti en janvier. Le budget avait été promulgué au mois de décembre. Donc, ça ne faisait même pas un mois. Vous comprenez? Je ne pense même pas qu'il avait été consommé. Je pense que des problèmes existent ici. Le président peut rester ici au Congo, faire Bill Gates peut venir ici. Le président n'a pas besoin d'aller le voir. Parce que c'est Bill Gates qui a besoin de nous. Les matières qu'il utilise pour fabriquer ses ordinateurs viennent de chez nous. Pourquoi nous, on doit aller en tête courbée? Et quand on rencontre Bill Gates, vous avez des gens qui vont vous... Comme il y a eu la photo là qui circule avec le dîner offert par Donald Trump. Je pense que Manix dira, moi, c'est une réussite pour le président. Mais monsieur... Je pense qu'il dira ça. Parce que tous les gens qui parlent son langage, tous ceux qui tu parles son langage, ne disent que ça. Arrêtez d'induire le président en erreur. Alors, arrêtez d'induire. Des défis importants ici au pays qui le reviennent. L'histoire de la gratuité pose problème. On va vous donner pas de la gratuité. On en parle. De tout à l'heure d'ailleurs, Manix, vous avez un mot à dire par rapport à ce que votre co-débatteur vous lance franchement sur le visage en disant que vous êtes aussi en train de croire que c'était une réussite parce qu'il a pris une photo avec Donald Trump. Du coup, je dirais à mon co-débatteur que je n'argumenterai pas dans cette logique-là parce que je ne suis pas un ramasseur de déchets de la rue. Je dois informer à notre peuple sur la vraie vérité. Ça, on ne peut même pas en parler. Je crois que quand vous lui avez posé des questions sur l'exactitude, les effets positifs, les retombées positives de la tournée du président de la République, il n'a Vous savez, aujourd'hui, attention, aujourd'hui, le gouvernement belge est capable, ça je vous informe, vous êtes journaliste, est capable de débourser une somme de 10 millions de dollars pour renforcer la machine déjà mise en exergue par le président de la République sur la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique est prêt justement à accompagner le gouvernement congolais avec s'il vous plaît. Je suis en train de vous. Il faut éviter de retomber. Nous devons éviter la dictature d'opinion. Le peuple congolais aujourd'hui est déjà mature. Arrêtez de duper. Vous avez tellement asphyxié cette population congolaise en le coffrant dans une sorte d'armoire d'analphabétisation. Ils défendent la Kabylie. Ils défendent le régime à qui nous lui avons accordé ce qu'on appelle une sorte de miséricorde politique, raison pour laquelle nous cohabitons avec eux ensemble. Mais il ne peut pas prendre ces risques-là de venir sur ce plateau et faire de la contre-vérité. Alors, de 10 millions qui ont été promis par le gouvernement belge. Et au-delà même de cela, il y a une autre retombée très positive, c'est de la part des États-Unis d'Amérique qui ont promis justement le 1 milliard pour accompagner le gouvernement congolais dans sa logique de gouvernance. Parce que vous devez savoir que le président de la République a imprimé un nouveau paradigme, un autre modèle de référence de sa gouvernance, totalement consacré au service du peuple. Et tous les États du monde ont validé les avancées et la bonne intention du président de la République. Il y a aussi les 500 millions de la Banque mondiale qui dit commencez d'abord et puis au mois de janvier. Et surtout, vous n'êtes pas sans oublier que la Belgique aujourd'hui, la Belgique c'est déjà même la capitale d'une grande organisation internationale qu'on appelle l'Union européenne. Et donc la Belgique, ne serait-ce que sur sa stature diplomatique, joue justement un grand rôle qui va mettre justement en liaison la République démocratique du Congo avec l'Union européenne. J'ai aimé l'introduction de votre émission lorsque vous avez dit que cette émission est tellement pédagogique. Je voudrais dire à mon co-débatteur de noter, si c'est important, que lorsqu'on parle de la souveraineté, la question de la souveraineté doit être perçue, comme je l'ai dit, sous une parallaxe binoculaire. Parce qu'on parle de la souveraineté dans l'État, à ne pas confondre avec la souveraineté de l'État. Lorsqu'on est à l'intérieur, l'État exerce
son autonomie, sa capacité, sa force sur la circonscription territoriale. Là, il s'agit d'une autorité de l'État au sein de l'État même. Mais lorsqu'on parle de la souveraineté de l'État, là, il s'agit de la reconnaissance de la souveraineté intérieure par les autres États. Et pour que les États, justement, vous reconnaissent en tant qu'un État autonome, capable, souverain, autant que nous autres, vous devez faire preuve de cela. Et le président de la République, aujourd'hui, se comporte comme le premier manager. Il a le réflexe managérial et très diplomatique de vouloir présenter les valeurs de notre pays. C'est comme ça que lorsqu'il a pris la parole dans le tribune des Nations Unies, il a très bien dit, vous ne pouvez pas mettre à l'écart le Congo, alors que le Congo, aujourd'hui, constitue les leviers du développement qui peut répondre a de besoins de plus de 2 milliards des citoyens du monde avec ses plus de 80 millions d'euros. Est-ce que Félix, je vous relance, est-ce que Félix n'est-il pas en train de payer pour ce que Kabila a fait finalement? Non, mais il l'a d'ailleurs dit, le président de la République, il n'a pas le temps de faire les rétropédalages. Il regarde le défi, je vous ai bien dit au début, qu'il y a une très grande formule de la demande du peuple congolais. Et aujourd'hui, lorsque le président de la République avait pris le pouvoir, vous avez vu comment il y a eu les répondants populaires. On lui disait Félix, Kobo Sanaté, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et donc, il se concentre tout d'abord sur la question du peuple. C'est comme ça qu'il a d'abord rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire. Qui bat de l'aile, hein, aujourd'hui. Non, mais c'est parce qu'il y a quand même une certaine force aux pesanteurs qui veulent nous tirer à tout prix vers le bas, alors que nous prenons déjà un grand décollage vers le développement de notre sujet. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez affirmer que Félix est en train de payer pour ce que Kabila a fait finalement? Non. Non, parce que d'abord, je voudrais dire Raymond, à Manix, je vois que les vérités font mal. On le sent, même l'opinion qui regardera l'émission sent que ce qu'on dit ici. Et l'opinion comprendra qu'il s'agit d'un combat entre le bien et le mal. Un combat entre le négatif et le positif, un combat entre le jour et la nuit. Et on comprend, nous nous sommes inscrits dans une logique de rendre ce que le peuple attend. Vous avez échoué, laissez-nous le temps de travailler pour le peuple congolais. Manix, vous avez affaire à un homme tellement indépendant d'esprit. Malheureusement, vous êtes un féodé à votre système politique qui vous a sombré dans un bourbier de désespoir. Vous avez affaire à un journaliste qui n'est pas commandeur d'un poste, messieurs, si vous en cherchez, vous ne vous servirez pas de moi. Je ne dirai que la vérité. On va être gentil. Et ce qui vient du fond de mon cœur. Je suis très gentil avec lui. Et je constate qu'il est mal informé, cher Manix. Dites-moi, quand est-ce que les États-Unis ont promis $1 milliard à la RDC? Qui l'a promis? Quand vous dites que la Belgique a promis $10 millions pour la corruption, messieurs, vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça? On va dépenser $400 000, aller à Bruxelles pour espérer avoir $10 millions seulement, pendant qu'il y a 15 millions qui pourrissent, qui ont fini dans les postes des individus, et qu'on cherche à faire écarter le dossier. Mais soyez conséquents quand même, messieurs. Soyez responsables. Il ne s'agit pas des États-Unis qui ont parlé des $1 milliard, c'est plutôt la Banque mondiale. Cette promesse est conditionnée. Sous Kabila, la Banque mondiale nous donnait déjà $600 000 ici. C'est ce qu'on appelle des appuis budgétaires. Cette somme n'a pas changé. On vous a dit, messieurs, si vous voulez qu'on arrive jusqu'à $1 milliard en 2020, il y a trois conditions. La responsabilité tactique. Quand on vous dit des choses comme ça, ça devait vous faire mal, non? C'est-à-dire qu'on vous considère... Non. Déjà, à l'époque, on donnait 600 millions. Quand on vous dit, vous devez être responsable, c'est-à-dire que vous ne l'êtes pas. Quand on dit qu'il faut qu'il y ait de la transparence, 8 mois après votre arrivée au pouvoir, l'on constate qu'il y a toujours des niches fiscales. L'on constate qu'il n'y a rien de transparent. La preuve, c'est le dernier dossier qui vous éclabousse, les 15 millions. Mais n'attendez pas des journalistes d'avoir pitié de vous, messieurs. N'attendez pas ça de moi. Moi, je ne défends pas Kabila, j'ai été dur avec lui parce qu'il n'est pas arrivé à lutter contre la corruption. Et donc, je serai encore dur avec Tshisekedi parce que les gens qui regardent l'émission savent que je l'ai dit dans plus d'une émission. Vous avez été dur avec Kabila. Oui, oui. Sur des questions de corruption, des détournements. Okay. Kabila, on ne l'a pas pardonné sur ce point. Mais quand vous dites Tshisekedi a-t-il hérité d'une situation catastrophique de Kabila? Non, pas du tout. Pourquoi vous ne voyez que le côté négatif? Pendant que le président lui-même, quand vous le suivez sur TV5 Monde, reconnaît
qu'on a dit des choses sur Kabila, on a dit des choses sur ce régime que l'on avait exagéré. Non, c'est sur l'armée. En tout cas, Jean-Pierre, il ne faut pas exagérer. Non, je parle sur l'armée. Sur l'armée. Justement. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'au-delà de l'armée, l'on n'a pas exagéré sur d'autres thématiques. Mais vous parlez de la Banque mondiale qui dit que vous n'êtes pas responsable. Quand on dit que vous n'êtes pas responsable, on ne dit pas un État qui est... On ne dit pas une présidence qui a fait 8 mois, on dit un État qui a fait 51 ans de vie. Mais quand on parle de la transparence, l'on voudrait quand même que l'on sache ces 15 millions de la décote pétrolière, où sont-ils passés? Et quand il y a des mines inspecteurs des finances qui se lancent aux trousses des présumés détourneurs, on les coffre, on les intimide. Messieurs, c'est vous qui avez amené la République de l'État de droit. Ah, tu sais, Kedi, je lui opposerai l'état de droit. Quand je parle et qu'il essaie de m'arrêter, je lui dis, messieurs, tu as dit l'état de droit. Il vous arrêtera pas. Tu nous dois des comptes. C'est quand là, il est voulu. Tu nous dois des comptes. Et ici, il n'est pas question de pouvoir chercher à lui lécher les bottes. Il est là pour faire son travail. Qu'il revienne au pays. La gratuité, Christian l'a dit ici, bat de l'aile. Rien ne va. Sur le plan social, la situation est la même. Il a promis, par exemple, il a dit lui-même du haut de la tribune de l'ONU que 80 millions de dollars, enfin 80 millions de nos recettes publiques finissaient dans les poches des gens. Mais à sa première année, voilà qu'il nous propose un budget modique. Avec Kabila, voilà. Aussi, hein, faut dire. Attendez. Avec le gouvernement de Kabila. Avec Kabila, dans ce pays, nous sommes déjà arrivés jusqu'à 9 milliards. C'était des promesses. Mais Kabila n'a pas fait des promesses parce que le président, il se croit toujours en campagne. Il fait tellement de promesses, le président. Là, il a encore dit qu'on est à mesure... financer la santé. Alors, il sera à Vatican. Est-ce que vous pensez aussi que c'est encore une perte d'argent? Il est invité maintenant à Vatican. On l'invite en tant que président du pays. D'où est sorti, un cardinal qui va être créé. Est-ce que c'est une visite qu'il n'aurait pas dû accepter, envoyer quelqu'un d'autre? Parce qu'il s'agit bien évidemment d'une invitation. Le président ne répond pas à tous les rendez-vous. Même celui du Vatican. Attendez-moi, Christian. Quand un président se déplace, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu. Kabila filé, hein. Il n'y a rapidement, pas... Rapidement, on va avoir le pape, hein. Attendez, ça dépend. Il va à la création de l'archevêque de Kinshasa qui devient cardinal. Mais dans ce pays, nous avons une ministre des Affaires étrangères. Non, la dame, je ne sais même pas dans quoi elle est maintenant. Parce que tellement le président lui-même, il est plénipotentiaire. Mais nous avons une présidente de l'Assemblée nationale. Parce qu'une importante délégation, ce que vous ne savez pas, c'est qu'une importante délégation de la RDC sera au Vatican. Pourquoi n'est pas délégué, monsieur le président, madame Abunda qui est là? Pourquoi n'est pas délégué, monsieur Tambwe Mwamba qui est au Sénat? Pourquoi n'est pas envoyé votre ministre des Affaires étrangères? Pourquoi pas? Pourquoi seulement vous, monsieur le président? Avez-vous déjà vu un président invité au Vatican et se faire représenter? Vous avez déjà entendu ça? Tout dépend de l'enjeu. Je ne pense pas qu'au Vatican, le président va avoir un tête-à-tête avec le pape. Il va assister, tout ça. Mais même si on t'adressait l'invitation, en rapport avec des urgences sociales qu'il y a dans ton pays, moi je connais des présidents qui ont écourté leur voyage. Très bien. Qui sont revenus au pays parce qu'il y avait des urgences. Maintenant que ça se murmure davantage qu'on n'est pas en mesure d'assurer la gratuité, maintenant qu'il y a des grèves partout, vous pensez que la place du président, c'est à l'étranger? Reprenez, Manik Chepi, on va terminer. Prendre la gratuité maintenant, est-ce qu'il y a un dossier d'Akash qui nous attend aussi? Je ne sais pas si dans le régime de M. Kabila, si on pouvait parler d'un secteur de la vie nationale qui a marché. Sinon, mon co-débatteur peut me répondre. Je dis aucun. Je ne représente pas Kabila pas, ici. Non, mais malheureusement, vous êtes dans une contradiction nauséabonde. Vous êtes en même temps partisan et vous brandissez, entre guillemets, l'impression d'être neutre. Je suis très désolé. C'est ce que j'ai remarqué. Pourquoi vous l'attaquez comme ça? Non, mais c'est parce qu'il est. Il a une posture bien connue. Il ne suffit pas seulement de le dire. Je comprends son argument. J'analyse ses faits et gestes, ses mots, et je comprends de quel camp il défend. Alors, ce qui est beaucoup plus important à retenir sur la visite, le passage du président de la République à Vatican. C'est quand même, vous savez, il ne faut pas être amnésique sélectif et surtout il ne faut pas perdre de mémoire que nous venons d'un cadre de vicissitudes électorales, surtout où l'Église catholique a joué son rôle en tant que médiateur dans cette grande crise qui a caractérisé notre pays dans le temps. Et aujourd'hui, la démocratie que nous offrons au peuple congolais, l'Église catholique, on est aussi partie prenante. Et si... La même qui a contesté l'élection. Hein? Non, mais quelle église a contesté les élections? L'église catholique? Non. Elle avait d'autres vérités que la seule n'est pas publiée. Non, mais quelle a été cette vérité qui n'a pas été brandie?
La vérité, on ne la cache pas. La vérité, c'est comme une lumière. On ne la met pas sous une table. La vérité, on la propose à l'opinion. Et je crois l'Église catholique, avec son statut de l'Église au milieu du village, elle ne peut pas cacher la vérité. C'était peut-être une diplomatie à la logique de l'Église catholique pour apaiser les esprits qui se sentaient lésés. C'est tout à fait normal. Ça aussi, ça fait partie du rôle de l'Église. Et aujourd'hui, le président de la République, en Vatican, c'est peut-être pour... c'est peut-être une autre manière, justement, pour justifier le modèle de la démocratie qu'il est en train d'installer et renforcer, justement, la coopération avec le Vatican. Vous savez, aujourd'hui, l'Église catholique joue un très grand rôle, tant sur le plan de l'éducation, puisqu'on peut-être qu'on a passé à vol d'oiseau sur cette question de la gratuité. Il participe sur la question de la santé et l'Église catholique est un allié d'État avec le gouvernement congolais. Il y a beaucoup d'argent aussi, l'Église catholique. Non, mais écoutez, l'Église catholique... a été toujours un allié important à la RDC, mais c'est l'État congolais qui reste le seul régulateur de tous les secteurs à valeur nationale. Alors, nous entrons directement dans le sujet de la gratuité, parce qu'il faudrait en parler. Mesdames et messieurs, je dois vous informer qu'aujourd'hui, les élèves n'ont pas étudié, pour la plupart des cas, dans certaines écoles. Ils n'ont pas étudié simplement parce que les écoles ont dit non. À Bukavu, Manix, certaines écoles ont dit non, mais les élèves aussi ont dit non, ils vont étudier. Et donc, il y a eu des grognes par-ci, par-là, malgré la paye supplémentaire. Certains professeurs, certains maîtres, certaines écoles disent non à Fatshi. Est-ce une rude preuve? Est-ce une préparation qui finalement éclabousse au grand jour? Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette douleur, je vais dire ça comme ça? D'abord, premièrement, il faut retenir la dichotomie des visions entre le patron du secteur de l'éducation et la vision du président de la République. On a senti une certaine... pesanteur de la part du ministre de l'EPSP qui n'a pas compris l'essence de la gratuité dont on a fait mention, selon la vision du président de la République. Et de l'autre côté, il y a un camp politique qui ne veut pas de la réussite de cette gratuité de l'enseignement au risque de jeter les dévolus sur le président de la République. Nous devons mettre de côté cette politique de celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Le Congo est un et reste indivisible. Mais aujourd'hui, on constate que c'est vrai, c'est un grand pari qui n'est pas encore totalement gagné, mais nous sommes en train de partir vers ce grand pari et le réussir. Et vous allez vous rendre compte qu'après le travaux dans les différentes tables rondes sur les grandes questions techniques de la scolarité de la RDC, c'est vrai, il y a eu la problématique sur la qualité, le niveau de paiement de certaines écoles, surtout les écoles conventionnées, soit catholiques, protestantes, etc., qui n'ont pas voulu qu'ils soient traités de la même manière avec les écoles prises en charge par les États, par l'État congolais, les écoles publiques. C'est à ce niveau-là qu'il y a la grogne. Allez toujours à Bukavu, dans la partie est de notre pays. C'est vrai, il y a des écoles qui grèvent, mais il y a aussi des parents. Ça, je vous informe, il y a aussi des parents où les enfants étudient dans des écoles publiques de l'État qui ne veulent pas que l'Église catholique fonctionne. Le dimanche passé, ils ont bloqué le portail des églises catholiques, pensant que l'Église, justement, constitue une sorte de bâton dans la roue qui empêche l'effectivité de l'enseignement primaire, de la gratuité de l'enseignement primaire. Donc ça, c'était un problème de communication. Et je crois que l'Église catholique devra prendre en compte le désidrata de notre peuple et surtout comprendre la vision du chef de l'État qui reste au sommet pyramidal des grandes décisions qui concernent les secteurs de notre pays. Très bien, Manix. Alors, Jean-Pierre, est-ce que vous pensez que le président s'était trompé en lançant ce projet aussi, je vais dire, ambitieux, mais peut-être mal préparé? Est-ce que vous pensez ça? La gratuité de l'enseignement, c'est trop tôt? D'abord, j'ai envie de dire que je constate dans les propos de mon ami Manix, j'ai beaucoup de considérations pour toi, je constate que c'est toi plutôt qui souffres d'une amnésie peut-être au stade très avancé. Pourtant, vous n'êtes qu'au pouvoir il y a 8 mois. Le président, en arrivant, parce que vous semblez oublier, vous avez critiqué le régime Kabila qui avait de l'impunité. On a dit qu'on va donner des signaux forts. Pourquoi Koko Samba est où? On a vilipendé à la télé qu'il a détourné les fonds publics, messieurs. Il est où? Ce qui n'est pas faux. Mais on attend toujours que la justice soit l'innocent, qui soit innocentée par la alors, justice. Alors ne faisiez pas le défensif alors. Mais vous allez laisser ça parler. Ça fait 8 mois. Que l'on a porté atteinte à l'image de cet homme. Le ministre des Affaires foncières, on en est où? On ne pensait pas que les procédures prendraient si longtemps, non, messieurs? On en est où? Les signaux forts sont où? Attends,
Et moi, je crois qu'en critiquant ou en dénonçant, j'ai dans ma façon le président. J'ai vu d'une très grande proximité avec la famille présidentielle. Je ne peux pas le dire ici. Mais ce n'est pas au nom de ça que je peux me mettre. Parce que si Kabila a échoué, c'est parce que, monsieur, il y a eu des gens comme vous, des Papi Tamba, des Yves Kisombe. Ah, vous l'assimilez à ces gens-là? Mais il fait exactement le même rôle. Ils font le même rôle. Parce que d'après lui, tout ce que le président fait est bon. Monsieur, si c'est comme ça, vous allez échouer. Et le président, s'il se met à vous écouter, comme si Kabila écoutait les Papi Tamba et les autres, au bout de deux mois, au bout de deux ans, pardon, sa cote de popularité sera comme ça. Alors, s'il a intérêt qu'il nous écoute. C'est pas parce que je le déteste. Non, je ne le déteste pas. Mais j'ai envie qu'il fasse les choses correctement. Alors, là, pour revenir à la gratuité, est-ce qu'il a fait correctement les choses? La précipitation totale qui caractérise le règne, le régime de M. Tshisekedi. L'impréparation. Est-ce que vous connaissez déjà quelque chose de réussi, de bien fait, bien peaufiné? Jusque-là, rien. On improvise. Et c'est pas sérieux. Mais la gratuité, ils sont pleins de programmes, ils sont pleins de pouvoir. Oui. Mais projet de on société. Commence les préparatifs quand C'est quand nous, journalistes, nous commençons à interpeller pendant les vacances. Mais messieurs, vous avez promis la gratuité. Un tweet de sa porte-parole adjointe qui semble justifier qu'il n'y aura pas de gratuité cette année. On la ramasse encore. On compare ce qu'elle dit au propos du président. Elle revient deux, trois jours après pour annoncer une table ronde. Mon cher ami, cette histoire de gratuité n'était pas préparée. Ça ressemble exactement à ce qui se passe au cabinet du président de la République. Voilà, il y a tellement de choses. Ça n'était pas préparé. Parce que comment voulez-vous qu'on convoque une table ronde sur l'éducation à deux semaines qui s'abossent de la rentrée? Est-ce qu'on connaît exactement combien d'enseignants dans ce pays? D'enseignants mécanisés, non mécanisés. Mais les chiffres, on avait tout donné, hein, Jean-Pierre. On a donné ça quand à deux semaines de la rentrée. Ça ne s'est fait pas comme ça. Très bien. Alors, on a fait ça quand? Parce que le ministre de l'enseignement, de l'EPST, M. Bakonga, réalise que ce n'était pas possible. Il a supprimé la 7e et la 8e. 7e, 8e. Vous sentez de l'impréparation. Pourtant, au départ, on n'a pas dit ça aux parents. Mais monsieur Tshisekedi, pourquoi ne pas prendre votre temps et aller graduellement? On sait que c'est une exigence constitutionnelle. Les élections locales sont aussi une exigence constitutionnelle, monsieur le président. Pourquoi vous ne vous en occupez pas? Mais vous avez promis, vous avez attendez, excusez-moi, attendez, vous. Parce que vous tenez à ce que toutes les promesses constitutionnelles soient réalisées. Mais commencez par ça. Monsieur, acceptez que les gouverneurs des provinces retiennent le fonds, les recettes locales à la source. Parce que c'est aussi une exigence constitutionnelle. Pourquoi vous faites des fixations, monsieur Manix? Pourquoi? Très bien. Alors, Manix Yenda Boufaya, vous êtes communicateur de cas. Je rappelle à ceux qui nous suivent à l'étranger, vous avez Jean-Pierre Kaembe, journaliste à l'RTGA, journaliste aussi, analyste politique, journaliste à l'RTGA, et Manix Yenda Boufaya, communicateur cash. Manix, est-ce que Félix Tshisekedi n'aurait pas gagné en construisant d'abord des écoles? Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas gagné en nettoyant les fichiers des enseignants pour savoir qui est enseignant et qui n'est le pas? Peut-être qu'il aurait gagné en termes de temps, d'énergie, d'argent, et en 2020, il aurait déjà une belle rentrée, scolaire, quoi. Non, Christian, vous savez, le secteur de l'enseignement, c'est d'abord un spectre qui contient beaucoup de problèmes. J'ai bien dit beaucoup de problèmes. D'abord, il y a le problème d'accès aux enfants congolais, les enfants de M. Jean-Pierre Kaembe, mes enfants, vos enfants, pour accéder dans le secteur de l'enseignement primaire. Il y a le problème de la qualité même de l'enseignement. Il y a le problème de traitement même des enseignants. Il y a le problème d'infrastructure, etc. Et donc, il y a toute une panoplie de problèmes. Mais attention, le président de la République a choisi d'abord le volet accès. Vous n'êtes pas sans oublier que le Congo, c'est l'un des pays du monde en termes d'analphabétisation, avec plus de 80% du taux de notre population analphabète, que ces gens sont responsables. Parce qu'ils... Non, mais je parle de la Kabylie, dont il y a un avocat de la Kabylie qui défend le système nocif, le système qui a sombré la population congolaise dans une situation. Alors, vous avez traité des Papi Tamba, vous le traitez des systèmes nocifs. Non, moi je. Ça va quand même égal à égal. Non, mais je ne conçois pas que je sois comme Papi Tamba, alors que Papi Tamba
c'est quelqu'un qui a été dans le même régime qu'il défend. Donc c'est le même boulot. Donc c'est le vrai Kobi Tamba. Bon, écoutez, Christian, il ne faudrait pas que l'on reste sur ce genre de super sifflage, ce n'est pas important. Il faut que le peuple comprenne quelque chose de la part de nous que nous sommes leaders d'opinion. Au début, je pensais qu'il allait même répondre à la question quand je lui ai posé la question s'il peut y avoir un secteur de la vie nationale. Il n'était pas le défenseur de Kabila. Donc c'est pas mais il peut quand même, il défend le camp. Il peut quand même me dire c'est quoi ces secteurs. C'est quoi ces secteurs. C'est ça la formule pour échapper à des questions. C'est protocolaire. Il est journaliste, il sait les règles. Bon, ok, je le concède, mais au moins il ne me dira pas le contraire. Il n'y a aucun secteur qui a marché sous répondez plutôt le à ma question, Manif, de Joseph Kabila. Est-ce que Félix Tshisekedi aurait fait bien de commencer d'abord à consolider non, mais je vous parce ai que dit. Vous êtes dans une situation où vous demandez à l'école catholique d'obéir, mais vous n'avez pas d'école. Je vous ai dit. Vous n'êtes pas tenir des écoles. La gratuité de l'enseignement primaire crée deux conséquences positives. La première, elle réduit le nombre des analphabètes congolais. Techniquement, non, Manix. Deuxième conséquence positive, elle rend l'obligatoriété d'accès aux enfants à l'école primaire. Aujourd'hui, vous savez, lorsque l'on dit que le Congolais a ou le Congolais ont faim, ce n'est pas seulement la faim en termes de denrées alimentaires, la faim du foufou ou de poisson. Le Congolais a aussi faim du savoir, faim de l'intelligence. Et donc, nous devons faire de notre population une population à même de lire, d'écrire et de calculer. C'est comme ça que le président de la République a choisi de procéder dans sa vision, la partition homme, parce que dans son programme, le président de la République a réparti son programme d'action sous quatre axes. Il y a l'axe de la bonne gouvernance, il y a l'axe l'homme, la croissance économique durable et l'axe de la création d'une société solidaire. En ce qui concerne la construction de l'homme, est-ce que vous êtes, je pense que monsieur Jean-Pierre quand même, mais puisqu'il est journaliste, et lorsque M. Kabila a fini son régime, a fini son pouvoir, il a clôturé sa gouvernance par un aveu d'irresponsabilité en disant qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais. Alors que l'homme congolais. De sincérité, hein. Non, mais c'est. Il a été sincère. Il était sincère par rapport à quoi? À sa mégestion? Par rapport à sa manque de gouvernance pendant 18 ans? C'est quoi la sincérité? Et le peuple congolais ne doit pas l'auditer, ne doit pas comptabiliser ses actions. Alors que l'homme congolais doit être transformé essentiellement par le canot connu de tous, la famille, l'école, l'université, le travail. Qu'est-ce que le président va faire? L'église catholique, certaines écoles disent non. Comment ça va devoir se passer? Un dialogue social ou la responsabilité de l'État finalement? Non, mais c'est peut-être un autre moyen. Le dialogue social, c'est important. Vous savez, lorsque nous avons connu le problème d'Ebola, il y a eu une nécessité justement d'approcher, les rapprocher la population parce qu'il y avait une rupture entre la population et les dirigeants pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Ça peut être aussi un autre moyen à utiliser, mais au-delà de cela, la République démocratique du Congo est un État et parmi les missions fondamentales de l'État, c'est la mission gendarme. L'État doit exercer son pouvoir de contrôle et déréguler la société sous le principe de loi de la République. Merci, il nous reste 13 minutes. Et Jean-Pierre va prendre les 2 minutes avant de prendre les 10 dernières minutes. Ça va être consacré à une question. Est-ce que Kabila prochainement aux arrêts? ACAJ veut de poursuites contre Kabila, des enquêtes serrées. Est-ce que Fatshi laissera Kabila exposé, qui est son allié? On va le voir avec Jean-Pierre Kayembe, mais aussi avec Manix Yendabofa. Alors Jean-Pierre, est-ce que le président aurait fait mieux de construire d'abord des écoles, de planifier et puis revenir avec le projet en 2021? Mais là, il se pose un autre problème. Est-ce qu'on allait le faire? Parce qu'on a comme l'impression qu'attendre, on allait attendre 18 ans sans qu'il y ait école gratuite au Congo, malheureusement. Je pense que il faut qu'on arrête de trop promettre. Le président, à l'époque candidat, n'a pas tenu compte de certaines réalités. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens du Kivu attendent qu'il dirige ou qu'il déplace l'état-major général? Il a fait une bonne partie des militaires sont partis. C'est pas ça, hein? L'état-major général, c'est toute la logistique qu'il y a au camp Kokoloko pour déplacer. C'est pas ça. On lui a dit que c'était pas une idée réaliste. Le président. Oui, mais c'est ça les promesses des campagnes qu'on a faites. Et maintenant, on se voit rattraper. Oui, Kabila a fait ça aussi. Quand, hein, monsieur. Jean allé au Kécho. On a vu ça, et puis après, on a eu jamais. Il faut arrêter d'être démagogique. Quand je vois monsieur en face, monsieur Manix, maîtrise du cabinet, c'est moi, j'en ris. Oui, parce que, en fait,
Vous comprenez que maintenant, nous, on a compris ce que le président... On avait compris à temps ce que le président vient de comprendre maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il comprend qu'à l'époque, il y avait de l'exagération. Et nous, à l'époque, on était contre l'exagération. Et lui, il comprend. Et ce que vous faites aujourd'hui, les propos des Fayou lui font mal, non? Mais lui, il n'a pas ménagé Kabila un seul instant. Monsieur, ce que vous faites aujourd'hui, vous l'avez fait hier contre Kabila. Et Fayou le fait pour vous. Il fallait des études de faisabilité. Vous parlez de la gouvernance Kabila, mais monsieur, la bonne gouvernance, vous, pour vous, ce sont les sautes moutons. Est-ce qu'on sait combien ils ont coûté à la République? La bonne gouvernance, est-ce qu'on sait, pendant les 100 premiers jours du président, ce programme a coûté combien à la République? Est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre les chiffres à la disposition des enquêteurs? Monsieur, la bonne gouvernance, ce sont les maisons préfabriquées qu'on va acheter pour des militaires à l'étranger, comme si ici il n'y avait pas de main d'œuvre. Est-ce qu'on sait combien ça coûte à la République? La bonne gouvernance, c'est quand un directeur de cabinet devient ordonnancier, qu'il demande à la Banque centrale de sortir tout ce qu'il veut. C'est ça la bonne gouvernance, messieurs. Ne vous moquez pas des Congolais, mon cher ami. Aujourd'hui, à 8 mois, vous n'avez pas une seule leçon de bonne gouvernance à donner à quiconque. Ah bon? Oui. Mais parlez-moi combien les sauts de moutons coûtaient la transparence, dites-moi. Où sont les 15 millions? La bonne gouvernance, c'est traquer tous ces gens-là qui ont été l'auteur de gabegies financières. Mais vous dites que vous n'allez pas fouiner. La bonne gouvernance, non mais attention, on va fouiner. Il faut commencer par l'affaire. La bonne gouvernance, c'est aussi le respect de la démocratie congolaise. La bonne gouvernance, c'est le respect de la sacralité de la vie humaine de Congolais. La bonne gouvernance, c'est le peuple. Allez-y. Dans les la construction des sauts de moutons, les gens ont détourné l'argent. Il faut voir combien ailleurs là. Il n'y a que l'enclos, on ne fait rien là-dedans. Est-ce que l'argent s'est volatilisé? Il faut voir combien on donne aux entreprises qui n'ont existé qu'il y a un mois des marchés de gré à gré. Des marchés juteux, mon cher ami. Ça, c'est la bonne gouvernance. On va avancer. Ah, très bien, on va avancer. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Alors, on va avancer pour terminer. Est-ce qu'on va appeler la Kabylie? Comment on va appeler Tshisekedi? On va dire la Tshisekedi ou la Félixi? Parce qu'on en a besoin de savoir, hein. Parce qu'on a toujours, vous, les journalistes, vous avez toujours les noms à accrocher à la présidence, hein, tout ça. Est-ce que je veux bien entendre ce qu'on va dire à Félixi? Moi, j'appelle... La Fatili, peut-être. Bon, je préfère plutôt appeler les tueurs référaires de M. Tshisekedi, des cachistes ou des Tshisekedistes. Ah non, parlons de cachistes, mais alors. Le régime... Ben, peut-être avec l'État, on saura. La Fatili, peut-être. Bon, on va parler de... Est-ce que la Fatili a déjà ses millionnaires aussi, on va dire? Absolument, mais les gens qui ont détourné les 15 millions, n'est-ce pas qu'ils sont millionnaires? Les gens qui ont détourné l'argent des sauts de moto, là. Vous affirmez, en fait, le travail du juge. Attendez. En fait, le problème, c'est que j'aurais voulu vous voir comme ça il y a 6 mois. L'inspecteur des finances dit l'argent n'est pas là. Cet argent, il est sorti. Monsieur Caméra a demandé que l'argent quitte le compte du comité de suivi pour être affecté au compte du travail des sanctions. Alors, d'abord, c'est un direction cash maintenant. Direction, mais ça, je vous fais une confidence. Hein. Mais j'aurais souhaité voir comme ça, mais ça, c'est les Jean-Pierre que j'ai rencontrés. C'est là 2 ans. Non, avant la Kabylie. Mais maintenant, c'est que les gens ne comprennent pas. Oui. Parce qu'à l'époque, par exemple, j'ai défendu Monsieur Bruno Tshibala, qu'il était du côté de la vérité. Je n'ai pas voulu le citer. On m'a qualifié de tous les noms d'oiseaux. Il était du côté de la vérité. Mais quand Monsieur Tshisekedi reconnaît qu'aujourd'hui, qu'il y a une proximité idéologique avec Kabila, j'ai envie de... Non, il a dit le PPRD, pas Kabila. PPRD, UDPS. Kabila symbolise le PPRD. Mais c'est statutaire, hein. Voilà. Clairement, c'est la même chose. Quand on est aujourd'hui, on a une même proximité idéologique, je dis, ah c'est comme ça, mais à l'époque, tu m'avais été mauvais, non? Ouais. Arrêtez de diaboliser les autres. Très bien, mesdames et messieurs, alors, ACAJ, c'est un mouvement, c'est une ONG, ACAJ, c'est un groupe d'avocats, c'est aussi un groupe de Congolais, des patriotes qui estiment que M. Kabila a des choses à dire à la République. Je vous rappelle, l'article 99 de la Constitution a été lamentablement violé selon ACAJ. M. Kabila n'a pas déclaré ce bien comme le veut la Constitution. Et pour mettre Georges Kapiamba, M. Kabila doit être soit aux arrêts, soit devant un interrogatoire, il doit répondre de ses actes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, c'est opportun d'en parler, Jean-Pierre Kayembe? Vous avez la parole. Est-ce que vous pensez que Georges Kapiamba est sur la bonne voie? Faut-il enfoncer de l'autre côté? Ou vous pensez que c'est maintenant, comme on dit, hein, le règlement de compte que l'on veut faire à Kabila? Je suis contre l'impunité. Contre l'impunité, absolument contre. M. Kabila, s'il n'a pas déclaré ses avoirs, son patrimoine après la fin de son mandat, il doit le faire. Il doit le faire, je ne vois pas pourquoi. Pour quelle raison il ne le ferait pas? Il n'est pas un Congolais extraordinaire que tous les autres.
Monsieur Tshisekedi a déclaré son patrimoine avant son entrée au pouvoir, même s'il avait promis qu'il nous dirait combien il a et tout ça. On sait qu'à l'époque, il n'avait pas ça, on attend, hein, la liste civile du président, on attend. Il a même promis qu'il nous dirait combien il touche, mais jusque-là, monsieur le président, totale opacité autour de votre salaire, on ne sait pas combien vous touchez. La transparence aussi, c'est ça. Quand vous allez sur le site de l'Elysée, facilement, vous dites, monsieur Macron touche jusqu'à 14 000 dollars, 14 000 euros le mois. Il a déjà cherché à savoir combien il gagnait, ça, je ne sais même pas. Non plus. Ouais. Mais il y a une enquête de Bloomberg et du groupe d'études sur le Congo qui démontre que M. Kabila et sa famille étaient à la tête de 80 sociétés. Bon, c'est la justice parce que M. le Président ne veut pas que l'on fouine dans le passé, mais il ne faudrait pas que ce soit une sorte de prime à l'impunité. Si on peut activer, malheureusement pour notre justice, quand vous avez M. le procureur général, M. Kabangenombi, l'homme aux enquêtes inachevées, aux enquêtes jamais conclues, ces enquêtes n'aboutissent jamais. Vous avez la preuve de Moukoko Samba, la preuve de Lumea Dumalegi, vous avez évoqué les 15 millions, ça fait 2 mois et 3 jours maintenant qu'on ne connaît toujours pas à quel niveau se situe l'enquête, même si le secret préjuridictionnel est garanti. C'est faux. Le faire, oui, mais j'ai peur que l'on exhume en même temps une vieille immondice parce que, au stade actuel, voir la coalition qu'il y a au pouvoir agiter certaines fibres, ça pourrait déstabiliser d'une certaine façon. Georges Kapiamba a échoué dans cette affaire de 15 millions, il a tellement tiré, mais on semble que ceux qui ont pris 15 millions ne le rendront peut-être jamais et ils ne feront peut-être jamais la position. On attendra voir ce que ça va donner. Mais il revient sur une autre affaire. Il faut qu'on arrête celui qui n'a pas déclaré ses avoirs. Sinon, regardez dans ce qu'il gagne. Est-ce que vous pensez que ça va avancer votre affaire? Parce que le président a dit qu'il ne faut pas fouiller dans le passé. Non, mais je pense que quand le président de la République avait réagi, c'est vrai que les Congolais sautent sur des vocables. Je crois que beaucoup de Congolais aussi ont aussi appris pour une première fois le vocable fouiné, peut-être encore plus la rétrocommission au moyen du président de la République, la modestie exige. Mais le problème n'en est pas là, Christian. Le président de la République est un respectueux de principes démocratiques. Il y a un grand principe qui régule justement le modèle démocratique proposé même par le président de la République, le principe des séparations de pouvoir, qui veut tout simplement dire que l'on doit reconnaître l'autonomie pour ce qui concerne le pouvoir judiciaire, de travailler avec toute indépendance. On ne peut pas priver à un Congolais le droit de dénoncer. Vous vous souviendrez lorsqu'on a parlé de cette histoire de Panama Papers. Avec autant des milliards, il ne s'agissait même pas de 15 millions, il s'agissait de 20 milliards de dollars empochés dans le pantalon de quelqu'un, ou encore pour dire dans la poche de quelqu'un, la famille, elle a été connue, sans pour autant que la justice s'y attelle. Ça s'appelle l'impunité. Ça s'appelle le détournement. Comme les 15 millions, on ne sait pas qui a pris. Non, mais le grand. La différence dans ces deux contextes, c'est quoi? Pour le cas de 20 milliards de dollars, on a empêché à notre justice, qui jouit de son principe de l'indépendance, son autonomie, de pouvoir dire le droit, on a empêché à cette justice d'enquêter sur cette histoire de 20 milliards de dollars volés par une famille connue dans ce pays. Mais malheureusement, pour cette question de 15 millions de dollars, le président de la République a été très clair. On remet la balle à la justice et que la justice fasse son travail. Et c'est ça, reconnaître le travail de la justice et l'indépendance de nos juges. Et le juge vont justement trancher et la rumeur prendra fin. Quand à l'époque, Méli disait qu'il faut laisser la justice faire son travail, qu'est-ce qu'on disait de lui, monsieur? De quelle justice parlez-vous? La même a changé. On a le même procureur général. Non, mais pas du tout. On n'a jamais instruit sur ce dossier-là, la justice congolaise, de pouvoir enquêter. Et si on a enquêté sur ces dossiers de 20 milliards de dollars, où on est... Vous parlez de la justice. Vous avez M. Mike Mukebaye qui est en prison, monsieur. Quand on a fait arrêter les Franck Diongo et les autres, enfin, quand ils ont été arrêtés, on a dit que c'était des prisonniers. Mais Mike n'est pas condamné, il est juste en détention. En détention. Oui, en détention. Ouais. Parce qu'il a été peu tendre. Ce qui est logique. Parce qu'il a été peu tendre. On n'est pas dans une reprise. Vous savez que M. Jean-Claude Muyambo n'avait jamais été condamné. Mais il a été listé dans le lot des prisonniers politiques, des prisonniers personnels de M. Kabila. Quand on voit aujourd'hui Mike en prison, pour avoir... parce qu'il n'a pas sa langue en poche. Êtes-vous fier de ce que Mike disait? Êtes-vous fier de ses propos? Tenez, tel est fou, tel est tout ce que je veux faire comprendre, oui, c'est que
on retombe. Les gens, à l'époque, quand on est dans l'opposition, on pensait que tout était noir. Vous comprenez? On vient au pouvoir, on commence à justifier les cas. À l'époque, déjà, quand on vous disait que M. Muyambo avait affaire à un particulier, M. Alexandre Soupis, on a dit non, c'est Kabila qui veut emprisonner un prisonnier qui dérange. Aussi, aujourd'hui, vous voyez ça aussi, Mike Moukibari, aujourd'hui, emprisonné, avec une affaire avec un particulier, non, mais on voit Félix derrière. Pas du tout. Si M. Martin Fayulu circule librement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à combien plus forte raison Mike Moukibari? Si monsieur, je ne voudrais même pas citer son nom, le faiseur. Le faiseur. Le problème de Mike Moukebaï. Vous n'êtes pas à la même place. Non, pas du tout. Vous ne vous êtes pas juste échangé les places. Non, pas du tout. Le problème de Mike Moukebaï, il ne comprend pas. Vous êtes embarrassé. Qu'on est dans une situation de la construction de notre démocratie. Et nous sommes dans la démocratie, de la clôture de l'émission. La démocratie n'accorde pas aux citoyens la liberté d'insulter. La démocratie, c'est un combat des idées. Et la télé, vous savez, c'est un combat de plus. Vous savez, c'est que Tshisekedi a venu des Kabila. Malheureusement, vous voulez... On a terminé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Manix Yendabofa. Je rappelle que vous êtes communicateur de cash. Et porte-parole de Laurent Batoumona. Monsieur Laurent Batoumona. Le candidat malheureux. Pourquoi il faut ajouter ces... Mais il a été battu au gouvernement. Non, mais c'est ça. Il a été battu au gouvernement. Christian Bossembe, faut-il ajouter ça? Non, mais c'est parce qu'il veut me rendre. Ouais. Il veut que je sois dans une peau d'un médecin qui vient pour traiter une épilepsie tout à fait politique. Je ne suis pas un médecin. Laissez-moi dans ma peau de politicien. Vous pensez qu'il est épileptique politique? Bien sûr que oui. Vous ne comprenez pas ces agitations? Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. Je rappelle que Jean-Pierre est journaliste à la RTGA. Et merci également à vous d'être passé. Hein. J'ai eu beaucoup de malheur d'avoir discuté avec un politique. Surtout quand on est du cash, on vous ramène à ce que vous aviez dit à l'époque. Très bien. Je fais ça exprès. Alors, vous allez regarder la caméra, vous allez donner votre coordonnée pour ceux qui veulent vous appeler, ceux qui veulent vous joindre. C'est ce qu'on fait généralement ici. Bien. Et je ne suis pas responsable de tout ce qui va arriver après, en tout cas. J'ai une page officielle, Jean-Pierre Kayende officiel, sur Facebook. Et là, je réagis de temps en temps sur mon mur Facebook. Malheureusement, là, sur mon compte personnel, je n'ai plus de place. J'ai un compte Twitter. Sur mon compte, à mon adresse mail, vous pouvez me contacter. Mon numéro de téléphone, je ne le cache pas parce qu'il est partout. Les gens l'ont effectivement. Vous écrirez au 0 plus 243 97 200 99 99. Mais je réagis le plus souvent sur Messenger parce que WhatsApp, je suis souvent débordé. Merci. Alors Jean-Pierre, je ne serai pas responsable de ce qui va arriver. Je connais les internautes, comment ils sont, comment ils réagissent. Hein. Quand vous appelez pour m'insulter, ne pensez pas que moi j'ai ma langue dans la poche. Ah ouais, j'ai oublié de le dire. Mais comme c'est mon téléphone, je raccroche. J'ai oublié de le dire. J'ai pas le temps d'écouter des bobards. Ben, non, mais j'ai oublié de le dire. Jean-Pierre n'a pas sa langue dans la poche. Si vous lui dites des choses méchantes, rassurez-vous d'une chose. Vous dormirez pareil que lui. Voilà. Sincèrement, vous allez partager les chagrins. Alors, Manix, c'est la même chose. Hein. Vous allez regarder la caméra et vous donnez vos coordonnées. Et je rappelle encore que je ne suis pas responsable de ce qui va vous arriver après. Merci beaucoup. Je suis le porte-parole de M. Laurent Batoumona, communicateur du CASH, coordonnateur d'une structure technique qu'on appelle l'Imperium Forum du Pouvoir. Pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter sur Facebook avec la page officielle Imperium Forum du Pouvoir, sur YouTube avec notre chaîne YouTube, Imperium Forum du Pouvoir toujours, avec mon compte WhatsApp, c'est le 0422 plus 243 422 12 98 955. Vous avez hésité, répétez. Plus 243 422 12 98 955. Je ne suis pas pakistanais, je suis congolais, je ne suis pas taliban, je suis congolais, non au tribalisme. Mesdames et messieurs, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC.